Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, ça souffle très fort sur le Parlement britannique. Le Premier ministre Boris Johnson n'a plus de majorité, les députés ont repris la main. Le Brexit pourrait être à nouveau reporté. Marie Billon nous attend à Londres. Dans l'actualité également, cette décharge illégale aux portes de Paris qui pourrit la vie des habitants de Bagnolet. Ça pue très souvent, tu ouvres la fenêtre, tu refermes, c'est toxique quoi pour la famille. Je vous avoue sincèrement que j'invite personne chez moi, hein, parce que c'est trop dégoûtant. Et certains affirment même que la mairie y déverse ses déchets. Reportage dans ce journal. Plus de patients, mais moins de moyens. C'est l'argument des grévistes dans les urgences. Les chiffres du gouvernement affirment pourtant le contraire. Nous verrons qui dit vrai. Ce sera la question du 8h. Et puis, il n'y a pas que l'espoir qui fait vivre. L'optimisme rallonge notre espérance de vie. C'est ce que révèle une étude scientifique. La clé du bonheur avec Odile Pouget à la fin de ce journal. À 8h20, l'appel de notre ami Stéphane Bern pour sauver notre patrimoine. Tricolore. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Souvenez-vous, après la victoire du Yes pour le Brexit en juin 2016, Boris Johnson, qui en fut l'un des principaux défenseurs, s'était fait inhabituellement discret, comme s'il avait pris conscience de la pagaille à venir. Aujourd'hui aux manettes, enfin ce qu'il en reste, le Premier ministre se retrouve pris au piège. Il a depuis hier soir perdu sa fragile majorité. Il n'emmène plus large face aux députés qui ont désormais repris la main. Là, il menace ses députés qui risquent de demander un nouveau report du Brexit, de dissoudre le Parlement pour organiser de nouvelles élections. Vous entendez cette ambiance, Londres s'enfonce encore un peu plus dans la crise, la livre sterling dégringole, un nouveau report du Brexit n'est plus à exclure. On parle maintenant, vous venez de l'entendre, de dissolution. Bonjour Marie Billon. Bonjour Jérôme. C'est toujours le bazar, on n'en sort pas. Oui, les Britanniques se réveillent ce matin en réalisant avec horreur que le problème n'était pas Theresa May, l'ex-première ministre qui s'est cassé les dents sur le Brexit. Le problème, c'est, eh ben voilà, on sait toujours pas ce que c'est le problème. Par contre, sa profondeur n'en finit pas d'épater. Aujourd'hui, un groupe de 17 élus de l'opposition devrait tenter de ressusciter l'accord de Theresa May. Oui, ce fameux deal que personne n'aimait parce que c'était de l'eau tiède en quelque sorte. Les députés ont fait un petit plouf dans la poêle à frire de Boris Johnson et se disent que finalement, eh ben c'était mieux avant. Après tout, il a quand même viré hier le petit-fils de Winston Churchill, éjecté du parti pour cause de rébellion. Theresa May n'a jamais autant fait trembler dans les chaumières. Mais on savait déjà que Boris Johnson était sérieux, parce que cette semaine, il a adopté un chiot abandonné. Et ici, on comprend très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire des élections anticipées. Il cherche à attendrir les cœurs, sauf qu'il risque de juste devoir ronger son os. Les députés ne veulent pas de scrutin tant qu'un no deal reste possible. Ils ont pris le contrôle du Parlement hier. Ils peuvent donc envoyer Boris à la niche. Évidemment, tout ça, ça ne règle rien. Le prochain épisode dans le prochain journal. Merci Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. RTL Matin, 8h03. Arrow sur le fléau des fraudes sociales. Deux parlementaires se sont saisis du problème. On vous racontait ce matin sur RTL l'exemple de ce médecin qui a fait une visite dans un EHPAD et qui s'est fait facturer 40 déplacements par l'assurance maladie. Parmi les propositions qui sont faites, la fin de la carte vitale à vie. Il faudra prouver tous les ans qu'on est encore vivant. Carole Grandjean, l'une de ces deux parlementaires, elle est députée LREM et elle était ce matin sur RTL. La fraude, ça passe par de la fraude documentaire, donc des documents qui sont falsifiés, par un décès qui n'est pas déclaré, des prestations qui sont toujours versées. Ça peut être un logement qui n'est pas correctement déclaré de manière à recevoir des prestations indues. On a aussi le cas dans le nord-est de la France du médecin qui a souhaité se faire rembourser son déplacement parce qu'il s'était déplacé en ski. Je vous assure, même dans le nord-est, on ne se déplace pas à ski quand on est médecin. 80% du montant fraudé pour la CPAM, c'est énorme, et du fait de professionnels de santé. La députée LREM Carole Grandjean ce matin sur RTL. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, doit faire de nouvelles propositions la semaine prochaine pour tenter de déminer la crise des urgences. La fréquentation explose, mais les moyens ne suivent pas. Cet argument, vous l'entendez tous les jours, martelé par les syndicats et les grévistes. Et pourtant, ce n'est pas ce que semble dire le ministère de la Santé, qui affirme qu'en 5 ans, les effectifs et les budgets ont augmenté de 16%. Alors, qui dit vrai? Eh bien, c'est la question du 8h.
Avec vous, Anaïs Bouissou, bonjour. Bonjour. Est-ce que les personnels exagèrent lorsqu'ils disent que les moyens ne suivent pas ? Non, les chiffres que vous donnez, ils sont vrais, mais ils ne sont valables que sur 5 ans. Ce sont des augmentations de moyens qui existent depuis le quinquennat de François Hollande. Alors, la crise des urgences, elle date d'il y a bien plus longtemps. Si on dézoome au-delà de ces 5 dernières années, si on prend un peu de recul et qu'on regarde sur 20 ans, on se rend compte qu'on partait de tellement loin qu'on a juste limité les dégâts. En fait, depuis 1996, la fréquentation des urgences a explosé, doublé. Elle est passée de 10 à 20 millions de patients accueillis par an. Et les budgets, eux, ils sont restés bien faibles. À tel point que les urgentistes comptent aujourd'hui un manque de 10 000 postes par rapport aux besoins d'il y a 20 ans. Mais depuis 5 ans, est-ce qu'on peut dire quand même que des efforts ont été faits ? Oui, il y a eu une progression à 2 chiffres, et des budgets et des moyens humains. Oui, cette progression a suivi exactement les taux de fréquentation des urgences depuis 5 ans. Mais voyez, imaginez deux droites parallèles. D'un côté, la droite des moyens, de l'autre, la droite des fréquentations. Bon, bah, elles peuvent très bien filer toutes les deux vers l'infini parallèlement, et les urgences iront toujours plus mal. Pour que les droites se croisent, pour que les problèmes soient résolus, il faut d'un côté une augmentation plus grande des budgets et des moyens pour rattraper le retard, et il faut en même temps limiter au maximum la fréquentation, la ralentir. C'est ce que tente maintenant de faire le gouvernement en orientant davantage les patients vers la médecine de ville plutôt que vers les urgences. La question de 8h avec Anaïs Bouissou. À retenir également ce matin, c'est coupe claire à Bercy. Le ministère de l'Action et des Comptes Publics annonce la suppression de 5800 postes d'ici à 2022. Des suppressions, explique l'entourage de Gérald Darmanin, permises par certaines réformes comme le prélèvement de l'impôt à la source. Un séminaire gouvernemental dans la foulée du Conseil des ministres. Ce matin, l'exécutif veut serrer les vis en cette rentrée alors que plusieurs textes délicats sont attendus sur la PMA et sur le budget notamment. Le cheveu est plus court mais son ambition est dévorante. C'est ce soir que Cédric Villani doit entrer en dissidence. Le député LREM annoncera, sauf énorme surprise, sa candidature à la mairie de Paris face à Benjamin Griveaux. RTL Matin, 8h06. Et en cette semaine de rentrée scolaire, il faut rappeler ce chiffre ce matin. 6 enfants autistes sur 10 ne vont pas à l'école. Et ceux qui sont scolarisés sont souvent accompagnés d'aide à la vie scolaire, les fameux AVS. Mais les choses sont en train de changer avec la création d'Île-de-France de classes adaptées au sein des écoles primaires ordinaires pour favoriser l'intégration de ces enfants. Il y en a 10 depuis la rentrée dans la région Île-de-France. RTL en immersion dans l'école Armand Sylvestre de Courbevoie. Reportage Marie Guerrier. D'un pas décidé, Evan monte les escaliers jusqu'à sa nouvelle classe, sous les yeux de sa maman très émue. On avait fait le deuil de l'école. Voir un tel dispositif, c'est quand même génial. Mohamed, Enzo, Aiden arrivent à leur tour et se précipitent sur les jeux. On va travailler ensemble. La maman d'Enzo raconte. Quand il était à l'école normale, les enseignants notamment étaient quand même démunis. Hein. L'enseignant seul, il ne peut pas. Il faut des professionnels. Dans la classe, il y a 2 éducatrices spécialisées, une assistante de vie scolaire et l'enseignante Suzanne Mottet. Dans un premier temps, on va faire en sorte qu'ils soient bien dans la classe. Il y en a qui vont tenir 5 minutes, on changera d'activité toutes les 5 minutes et certains, à terme, pourront peut-être tenir jusqu'à 3 quarts d'heure. Tout dépend de l'enfant en fait. Apprendre à parler, apprendre les codes de l'école, il faudra du temps. Les rituels vont s'installer petit à petit. On a fait un moment de jeu dans la classe. Le moment de jeu, il est fini. Après le regroupement, on ira en récréation. La récréation avec les autres élèves de l'école primaire. Dans la cour, les éducatrices improvisent un jeu. Les élèves de CM2 prennent les élèves autistes par la main pour courir et faire la ronde. C'est leur premier contact. Dis-lui comment tu t'appelles. La maman d'Evan observe la scène. C'est des enfants qui ont évidemment un trouble avec les interactions sociales, mais c'est là ensuite qu'avec cette émulation, ces échanges, qu'il y a progrès. Des échanges d'abord dans la cour, à la cantine, et puis en classe dans les mois qui viennent. Les enfants autistes ont beaucoup à apporter aux autres élèves, estime Claire Page, la coordonnatrice. Côtoyer la différence, côtoyer des enfants qui ne communiquent pas comme eux, cette différence, elle est importante à rencontrer dès leur plus jeune âge pour pouvoir construire une société plus inclusive. Apprendre à vivre ensemble, tout simplement. RTL en immersion. Signé Marie Guerrier. Les chiffres de l'apprentissage en nette progression, plus 3% sur un an, c'est même un boom de 51% pour les apprentis de plus de 25 ans, d'après le baromètre annuel ISM-MAF dévoilé ce matin par RTL. Dans un instant, une décharge à ciel ouvert qui commence à faire beaucoup de bruit et accessoirement quelques mauvaises odeurs. RTL 8h09. L'instant.
RTL Matin. RTL, il est 8h10, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi. À Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, les murs n'ont pas que des oreilles, ils ont aussi du nez. Un terrain vague est transformé en décharge à ciel ouvert depuis plusieurs années maintenant. Les habitants n'en peuvent plus. Certains affirment même que la mairie elle-même alimente ce dépotoir. Reportage dans ce No Man's Land de Porte de Paris, Thomas Dulin. Des sacs poubelles, des gravats, des déchets industriels, une montagne de détritus constitue au pied des barres d'immeubles le paysage du quartier de la Noue. Les riverains sont excédés. C'est dégueulasse, ça pue, il y a plein de rats, ça bouge partout, c'est inadmissible. Ça pue très souvent, tu ouvres la fenêtre, tu refermes, c'est toxique quoi pour la famille. Je vous avoue sincèrement que j'invite personne chez moi, hein, parce que c'est trop dégoûtant. Au milieu des ordures des particuliers, des sacs poubelles jaunes, ceux de la ville de Bagnolet, régulièrement des employés communaux viennent y stocker des détritus, inadmissibles. Pour Jean-Claude Oliva, élu d'opposition à la mairie de Bagnolet. C'est une situation qui n'est pas normale, ça ne correspond à aucune légalité. En même temps, voilà, c'est des situations qui sont malheureusement banales, mais qui montrent que le problème des déchets, il est hors de contrôle à tous les niveaux. Donc là, au niveau de la municipalité, en urgence, des mesures ont été prises. Il était temps. 100 000 euros ont en effet été débloqués pour nettoyer le terrain d'ici 2 mois. Réaction de la mairie qui explique pourtant n'avoir jamais ordonné à ses employés d'entreposer les déchets ici. Elle devrait demander l'ouverture d'une enquête administrative. Mais Bagnolet, troisième ville la plus endettée de France, a bien d'autres priorités. Reportage signé Thomas Dulin pour RTL. La France, désormais premier marché européen de deux roues, les ventes de scooters et de motos ont augmenté de 13% depuis le début de l'année. Le PDG d'Aigle Azur, Franz Yvelin, annonce ce matin sa démission. L'entreprise a été placée lundi en redressement judiciaire. Il s'agit évidemment de la compagnie aérienne. En tennis, c'est fini pour Roger Federer, battu par le Bulgare Grigor Dimitrov à l'US Open en quart de finale. Ce soir, Gaël Monfils affrontera l'Italien Matteo Berrettini. Enfin, pour finir ce journal, soyez optimistes. On sait qu'un joli sourire illumine toujours un visage. Mais on sait désormais avec certitude, grâce à cette étude scientifique qu'on va détailler ensemble, que l'optimisme, voire l'avenir avec confiance et légèreté, rallonge l'espérance de vie. Odile Pouget, bonjour. Bonjour. Et quoi qu'un peu, 10% pour les femmes, 9% pour les hommes. Oui, un résultat assez incroyable et très réjouissant. Alors, pour démontrer que l'optimisme seul est un facteur de longévité, les chercheurs de l'université d'Harvard ont mis de côté tout ce qui est lié à la génétique et à la biologie, les conditions de vie, le niveau social, les mauvaises habitudes alimentaires, par exemple. Ils ont épluché les données de 2 vastes études portant sur le suivi individuel durant 10 ans de quelque 70 000 femmes et 1 500 hommes. Tous avaient répondu à des tests d'optimisme, tests qui mesurent par exemple la confiance en l'avenir, la conviction que des choses heureuses vont leur arriver. Résultat, donc, les plus optimistes vivent plus longtemps. Alors, on savait déjà par une étude là aussi américaine, publiée il y a 4 ans, que les optimistes s'avéraient plus actifs physiquement, moins gros, moins fumeurs, avec moins de cholestérol et de diabète que les autres. Mais le mode de vie n'explique pas tout. Il y a les facteurs psychologiques qui jouent aussi. Alors, voyez l'avenir en rose et levez-vous heureux. Don't worry. Merci Odile Pouget, ça va mieux là. Hein. Oh, oui. Bah, merci à vous de nous donner le sourire. C'est Bobby McFerrin, ça, non? Oui. Voilà, on prend une petite couche, on ne peut pas faire de mal. C'était le journal de Jérôme Florin. Bonjour Michel Simès. Bonjour Yves. Michel, vous allez nous expliquer dans un instant qu'il ne faut pas attendre...